السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم عندنا واحد القصة، غادي نكملوا على القصة ديال ديك الخطرات اللي كنا شفناها مع بعضياتنا، القصة ديال شي غرومير واللي كتهضر على سارة وكيفاش دوزات اليوم ديالها عند لا غرومير ديالها إليان. وقال لها اللي كان يعني جد ديالها كان وعدها واحد لا سوربريز. إذن اليوم غادي نشوفوا هاد لا سوربريز مع بعضياتنا. إذن توكلوا على بركة الله، بسم الله. دونك اون كومونس مع لو برومي باراغراف. سارة سي سو تونير ا تابل، إل نو بارل با، إل تيان بيان سا فورشيت، إل ا ميريتي une récompense. Je répète. Sarah sait se tenir à table. Elle ne parle pas. Elle tient bien sa fourchette. Elle a mérité une récompense. D'abord, on va faire jumla par jumla et on va faire le chrah. Sarah sait se tenir à table. Sarah, tu sais comment ça veut dire que tu es assis à la table et que elle ne parle pas. Tu ne parles pas. Elle tient bien sa fourchette. Chadda mzyan l'fourchetta dialha, sa fourchette. Elle a mérité une récompense. Yani stahlat, waqt kattstahlat, yani fil madi elle a mérité une récompense. Yani stahlat wahed l'mukafa'a, récompense ou la ja'iza. Viens avec moi, Sarah, dit le grand-père. Viens avec moi, Sarah, dit le grand-père. Donc j'ai ديالها قال لها اجي معايا، اجي معايا ساره. Ils s'en vont au jardin. اذا مشاو، مشاو الحديقه. Oh dit Sarah. Bon Sarah قالت oh بحال تعجبت شفت شي حاجه. Donc on répète la lecture ديال هاد الباراغراف وديال هاد سميتو هاد الديالوغ صغيور. Sarah sait se tenir à table. Elle ne parle pas. Elle tient bien sa fourchette. Elle a mérité une récompense. Viens avec moi, Sarah, dit le grand-père. Ils s'en vont au jardin. Oh, dit Sarah. Au milieu du jardin, dans une cage, il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et des petits yeux très doux. Donc on répète, au milieu du jardin, fost le jardin, dans une cage, واحد القفص, il y a يوجد, il y a كاين واحد une jolie bichette. La bichette هي ديك الغزاله الصغيره. Avec de grandes oreilles, عندها les oreilles كبار, يعني الودينات كبار, et de petits yeux très doux. Ou عوينات صغيورين زويونين، عويرات صغيورين. Donc au milieu du jardin, dans une cage, il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et des petits yeux très doux. Je l'ai trouvée hier dans la forêt, dit le grand-père. Je l'ai trouvée hier dans la forêt, dit le grand-père. Donc الجد شنو قال ليها؟ قال ليها لقيتها البارح في الغابه. Donc on répète la lecture. Au milieu du jardin, dans une cage, il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et des petits yeux très doux. Je l'ai trouvée hier dans la forêt, dit le grand-père. إذن لا سوربريز هي هاد لا بيشيت صغيوره اللي لقاها لو غران بير ديال سارا، لقاها البارح في لا فوري، دون لا فوري. Elle va mourir sans sa maman, dit Sara. Elle va mourir sans sa maman, dit Sara. شنو قالت سارا؟ قالت انها غادي تموت. Elle va mourir sans sa maman, بدون الام ديالها. Elle va mourir sans sa maman, dit Sarah. Non, je vais lui donner du lait tous les jours. Et quand elle sera grande, je la rapporterai dans la forêt.
dit le grand-père. Non, là, je vais lui donner du lait, غادي نعطيها الحليب, tous les jours, كل نهار. Et quand elle sera grande, وفاش غادي تكبر, sorry, désolé, وفاش غادي تكبر, je la rapporterai dans la forêt, غادي نرجعها للغابة, dit le grand-père. Idem, elle va mourir sans sa maman, dit Sarah. Non, je vais lui donner du lait tous les jours et quand elle sera grande, je la rapporterai dans la forêt, dit le grand-père. Idem, le grand-père a dit Allah fait de la bichette, tetkber. Rait Allah fiha, wa taha l'hlib, tetkber. Voilà. Sarah caresse la bichette. Et dans Sarah, presque caresser la bichette. Yani donc Sarah caresse la bichette. La bichette a peur. La bichette a peur. Elle tremble. Sarah lui parle doucement. Sarah lui parle doucement. Yani Sarah, la bichette approche à petits pas. Donc la bichette, dès que tu t'approches, bichota Sarah. Elle lèche la main de Sarah. Elle lèche la main de Sarah. Ou l'hset, l'id d'yel, Sarah. Sarah est très heureuse d'avoir une bichette. Sarah, farhana, anna une bichette. Anna hadlik l'ghzala, sreora. Donc on répète. Sarah caresse la bichette. La bichette a peur. Elle tremble. Sarah lui parle doucement. La bichette approche à petits pas et lèche la main de Sarah. Sarah est très heureuse d'avoir une bichette. D'abord, on va faire la qira'a bidon un qita'. Sarah sait se tenir à table. Elle ne parle pas. Elle tient bien sa fourchette. Elle a mérité une récompense. Viens avec moi, Sarah, dit le grand-père. Ils s'en vont au jardin. Oh, dit Sarah. Au milieu du jardin, dans une cage, il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et des petits yeux très doux. Je l'ai trouvée hier dans la forêt, dit le grand-père. Elle va mourir sans sa maman, dit Sarah. Non, je vais lui donner du lait tous les jours. Et quand elle sera grande, je la rapporterai dans la forêt, dit le grand-père. Sarah caresse la bichette. La bichette a peur. Elle tremble. Sarah lui parle doucement. La bichette approche à petits pas et lèche la main de Sarah. Sarah est très heureuse d'avoir une bichette. Et donc voilà, هذه هي النهاية ديال الدرس ديالنا ولا ديال هاد القصة ديالنا اللي عرفنا منها ان لا سوربريز ديال سارة هي ديك لا بيشيت اللي غادي تبقى معاها هي اصلا وغادي تتهلا فيها. نتمنى انه يكون عجبكم هاد القصص الصغيورين وتكونوا كتستافدوا معنا وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الطيبه وبارك الله فيكم ونعطيكم موعد ان شاء الله في حصه مقبله مع درس جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.